Salut tout le monde, aujourd'hui on va tout simplement jouer à Resident Evil 0, la base mon gars, la base. Voilà, donc du coup, bah, la dernière fois, on avait commencé Resident Evil. Bon, c'était pas énorme, il y avait pas grand chose à faire, enfin si, mais c'était... Je sais pas, ça commence doucement. Tu sens un jeu, quand tu commences, ça commence toujours doucement. Et donc du coup, bah c'est parti, on est chaud. Enfin, j'espère qu'on est chaud jusqu'au bout, parce que tu sais, généralement, au début des vidéos, c'était chaud. Et puis au bout de, je sais pas, ne serait-ce que déjà quelques secondes, ça commence déjà à baisser. Et puis du coup, bah après, tu perds le fil et du coup, t'es comme ça. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh, c'est chiant! C'est un truc de fou! Moi, je me dis, mais pourquoi? C'est bien qu'on ait punch comme ça, non? Hein? Moi, je kiffe. Voilà, rentrer dans le vide, ça... Oh! Oh, j'ai cru que c'est... Enfin, tu sais, j'ai vu vide, et tout de suite, c'est vide intersidéral, tu vois. Le vide intersidéral. Du coup, je me dis, quoi, sérieux? Mais non, c'est le vide sanitaire, voilà. Donc, bah, c'est tout aussi dégueulasse, mais bon. Voilà, c'est même pire, en fait. C'est bien ça, vide sanitaire. Vide sanitaire, c'est les toilettes, comme ça, je crois. Hein. Alors, c'est peut-être que pour la bouffe. Ouais, attends. En parlant de bouffe, attends. Calme-toi, toi. En parlant de miam-miam, Attends. Je risque de manger du pain parce que j'ai faim, voilà. J'ai faim, donc du coup, je risque de manger du pain. Alors, j'ai... La dernière fois, j'ai reposé le... Ouais, bon, je pense qu'on en a assez de ça. On va juste prendre le bidon. Je sais pas à quoi ça va nous servir. Ouais, il y a max de bidons, mais je me rappelle plus à quoi ça sert. C'est un truc fou. Enfin, attends, je crois que j'ai max de bidons. Hein, je suis pas sûr. Ah, ouais, non, j'en ai que 3. Mais bon, malgré tout, voilà, cherche pas à comprendre. Ah, on en a déjà un, c'est bien ça. Ouais, je le veux bien. Je vais le combiner, comme ça, moi, ça sera fait, j'aurai de la place, ça. Et donc, du coup, hop, voilà, on combine, nickel. Donc, du coup, ils nous en font un petit deuxième pour ouvrir, du coup. Mais on l'a pas encore. Donc, on va essayer de se faire ça bien. On va essayer d'être punch à peu près, enfin, environ à peu près. Au début, on est toujours un peu punch, c'est normal, voilà, c'est le début. Mais après, on va essayer d'être punch un petit peu plus... pendant tout le long. Voilà, bon, ça commence déjà à baisser. Tu le sens bien là, que ça, tu sens bien. C'est la fatigue, ça, c'est la fatigue. Tu peux pas tenir quand t'es fatigué, c'est dur. Donc là, ce qu'il y en est, ouais, bah, bah, de toute façon, ça servira à rien. Ouais, donc ça fait quoi déjà comme truc? Je crois que ça ouvre directement. Ah, attends. Voilà. Ok. C'est bon? Oh! D'accord, donc ouais, je peux juste pas le transporter. C'est bizarre ça, je pensais qu'il fallait 2 personnes. Ça doit être pour autre chose. Du coup, je fais comment moi? Moi, je fais comment? Oh, je fais comment? Bah attends, je peux utiliser ça déjà. Et je vais lui passer un truc, je sais pas moi, un spray par exemple. Attends, il a quoi? Il a déjà un spray. Bon, c'est pas grave, je lui passe quand même les sprays. Ça au moins, hop, ça sera fait. Alors, du coup, je fais quoi? Carré. Enfin, carré. Bon, moi, c'est carré, parce que c'est une manette de PC, mais sinon, c'est... Non, d'ailleurs, une manette de PC, c'est avec des numéros. Enfin, c'est une fausse manette de PS3, si tu préfères. Donc... Attends, j'ai du mal, là. Ah, c'est chaud. Mais non, pas ça, mais dis. Voilà, donc, du coup, ça commence mal, déjà. Vas-y, là. Hop, là. Vas-y, passe-moi ça. Voilà, allez, vas-y, fais péter. Moi, au début, ça, dans le jeu, j'ai cru qu'on allait exploser les zombies avec ça. Ah, j'ai cru qu'on allait brocheter les zombies et tout. Et que dalle. Rien du tout. Utilisation du grappin ne doit servir qu'à l'inspection des toits difficiles d'accès. À l'extérieur, petite fenêtre du niveau 1 de la voiture 3, se trouve une échelle, oui, qui est cassée d'ailleurs. Une fois le crochet en place, travail pour hisser. Ah non, elle est peut-être pas cassée dans ce cas. Utilisation du grappin. D'accord. Ok, bon. Ouh, il se passe quoi là? Ah, d'accord, je sais pas, ça voulait plus bouger, c'est bizarre. Et là, il y a rien à mettre là? Ah, mais ça, c'est pour tout à l'heure! Oui. On va aller à l'avant du train, et après, ben, il va y avoir un problème, je sais pas quoi. Il va falloir mettre les freins d'urgence et tout. Ah, d'accord. En attendant, on se fait plaisir. Bon, l'autre, il peut pas venir, le bouffon, hein. Putain, je te jure, mais. Oh! Oh là là! Sinon, ce mec là, quand t'es en solo là, tu vois, je te fous une tarte, tu vois, si tu es en solo. Ouais, viens là, toi. Voilà. J'ai utilisé back pour select pour pouvoir justement changer entre solo et équipe. Et franchement, c'est un petit raccourci vraiment sympathique. Normalement, ça s'ouvre. Nickel. Bon. Une petite gorge là qui dérange.
Bon, en attendant. En attendant, je suis en train de manger. Non, oh, calme-toi, toi. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Voilà. Fais-moi le malin, connard. Oui, mais c'est pas bien d'insulter. Oh, c'est bon. Oh. On se marre. Bon. En attendant. Ouh là. J'ai pas le choix de le tuer. Merde, comment on fait comment? Ah oui, c'est comme ça. Vas-y, mets deux secondes, toi. Voilà. Bon, alors, c'est où déjà? Je crois que c'est juste. Attends. Mais non, mais. Ah ouais, non, je crois que c'est pas là. C'est le coup d'après, je crois. Je crois. Ouais, si, ça doit être le coup d'après. Attends. Un... Non, c'est là, en fait. Bah, c'est forcément là. Ah ouais, c'est là, d'accord. Ok, bah, je me suis trompé, voilà. Donc, c'est ici. On va équiper. Voilà, utiliser plutôt. On peut pas l'équiper, mais on peut utiliser. Et franchement, j'aurais, ouais, franchement, j'aurais kiffé, hein. T'imagines? Tu vois, t'as genre un ou deux zombies. Pouf, tout, tout. J'aurais kiffé. Bon, ah, on était là-bas, je crois, la dernière fois, je crois. Enfin, je crois, hein. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on est. Il est pas venu l'autre là? D'accord. Tu sais, des fois ça brille comme ça, tu dis ouais, il y a un objet, mais que dalle en fait. Donc, ouais, là on peut pas y aller. Ah bah attends, bah si, c'est là qu'il faut aller, hein. Tu veux que j'aille où? Ah ouais, donc c'est là, d'accord, c'est juste que c'était mal placé. On dirait qu'il y a un compartiment sous la brèche. Brèche, passer dans la brèche, bah oui. La dernière fois, elle a pas. Oh, oh, oh. La dernière fois, elle avait pas voulu y aller. Attends, viens ici, attends, attends. Tu sais, la dernière fois qu'on a dû rétablir le courant et tout là, il y avait un trou comme ça. Et bah là, elle avait pas voulu y aller, et du coup, bah elle est tombée. elle est tombée quoi, voilà. Bon, en attendant, c'est parti, on est où. Il y en a, mais tu vois, t'inquiète, attends, on va réussir à faire un bon truc là. Après, tu vois, le problème c'est que, autant que ça. Ouh, je le sens qu'il y a le. Je le sens. Attendez. On va poser ça. Ah mais non, on va poser ça. Bah ouais, ça nous sert plus rien. Voilà, donc hop, ça c'est fait. Et puis on va prendre ça. Et voilà. Et donc du coup, normalement, ouais, donc bijoux. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a ce qu'il faut dedans. On va l'ouvrir pour voir. Non. Non, examiner, voilà. L'ouvrir. Yeah, j'en étais sûr. Je le savais. Je le savais, c'était obligé. C'était obligé, c'était sûr. Ah, c'était tellement sûr. Voilà. Y a rien d'autre ici, non. Là, y a rien. Ouais, bah, y a que dalle. Ok. Donc là, on peut sortir. Et là, du coup, on va pouvoir. Oh. Oula. Qu'est-ce que tu me fais là? D'accord. Donc, je peux pas sortir, c'est ça? Ok, bah, nickel. T'es le mec qui force, t'es. Bon. Du coup. Putain, du coup, c'est le bordel. Ah ouais, je crois qu'on pouvait pas passer par là, je crois, la dernière fois, si. Si, bah, je sais plus. Enfin bon. Hein, je crois que c'était bloqué là-bas. Ouais, hop. Il est parti où l'autre Pégu, là? Je sais pas si. Je sais plus où c'est. Ah, mais on est ici. D'accord, attends. Ce que je vais faire. Ouais. Je vais descendre. Et à mon avis, je pense que je vais rester là où je suis. Là. Ouais. Enfin, je vais sortir de la pièce. Parce que je crois qu'on est dans une pièce, voilà. Et puis après, je vais rester ici, je vais appeler l'autre. Ce sera plus facile. Ouais, bah. Bon, alors. T'as vu, regarde. Faut rester là. Faut rester là, ce sera mieux. On gagnera du temps. Est-ce que si je commence à prendre la fille pour venir ici, et ben après, du coup, et ben il va falloir que je retourne là, en arrière, donc du coup ça va me faire plus de trajet. Donc c'est, voilà, c'est... Ça sert à rien de faire ça, quoi. Bon, en attendant, on est où, là? D'accord, ouais. C'est là, hein. Ok, nickel, c'est là. Donc, toi, tu vas me passer... Bon, bah du coup, je vais te passer ce qu'il faut. Hop, contre ça. Voilà. Et normalement... normalement, ça doit le faire. Je crois que j'ai pas récupéré... Si. Bizarre. Enfin bon. Ce que
que j'avais posé un truc tout à l'heure, je crois que c'était les rubans encreurs, donc c'est ça qui est bizarre, mais attends, c'est pas ça que je voulais faire, s'il te plaît, merci. On échange, voilà. Et donc du coup, on va faire ça, voilà. Ah mais non, j'ai changé de personnage, là, je suis nul. Bon, alors du coup, combiné, hop là, voilà. Bon, comme je t'ai dit, au début c'est punch, et puis après ça descend, c'est toujours comme ça, c'est impossible à changer. C'est pas très grave, mais bon. Du coup, on va l'ouvrir, hein, on va l'examiner. Et puis on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Attention, l'ouvrir, hop. Et. Il y a juste une petite carte. Mais elle est vraiment toute petite, quoi. Donc, ok, oui, voilà, bah, ok. Bah, du coup, ça va nous servir pour ouvrir la porte magnétique. Et ça, ça va faire plaisir. Bon, ça ouvre ou pas? Oui, mais je sais que c'est fermé. Ah oui, bah tu peux pas l'ouvrir. Non, je suis obligé de. Ah ouais, je suis obligé de l'utiliser. Bah oui, tu peux pas l'ouvrir toi-même. Non. Il faut tout faire dans ce jeu, il faut tout faire soi-même, c'est un truc de fou. Bah ouais, je veux bien le jeter, ouais, parce que j'en ai plus besoin. Ça me sert à rien. Oula. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion? As well as a train almost 3 miles away. That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? Et pourquoi nous on meurt pas comme ça? Ouais, je sais pas, je trouve que. C'est bizarre quand même. Eux ils meurent comme ça, hop là, et nous non, jamais. C'est tout l'enjeu de continuer seul. Ah, mais d'accord. Bah, qu'à me suivre aussi là. Putain, franchement, je te jure. Méchant chien, méchant. J'éconne. Bon. On va passer par là. Et puis il va rien se passer, bien entendu. Tu vois, les bêtes, elles pourraient nous attaquer, là, faire la même chose. Mais non, que dalle. En attendant, je pense que... Bah, je sais pas, en fait, ce que je pense. The train will either derail or crash. I gotta stop this thing. T'as vu le regard genre stone. Bah ouais. Bon, je lui dis que je m'en fous ou je fais quoi là? Un truc de fou. Bon, alors utilisation du frein. Commande du frein, voici les trois étapes préalables. Commande du frein se situe dans les endroits suivants. Compartiment du conducteur. Arrière de la voiture 5. Insérer la carte magnétique dans l'appareil de la voiture 5. Ceci alimentera en électricité les deux dispositifs de commande. Entrer le code de l'unité arrière, le code de l'unité arrière pour débloquer le débrouillage. Ensuite, entrer le code du compartiment du conducteur. Oula! Entrer le code du compartiment du conducteur, entrer le code du... Oui, mais c'est quoi, Tu pourrais pas me les donner, non? Qui va rester en arrière? Billy. Bon, alors... Je vais utiliser le panneau de contrôle de frein arrière, oui. Ça, j'ai compris. Restez ici et actionnez le frein de signal. Ouais, bien. Oui, pas de fausse manœuvre, oui. Intéressant, oui, bon, il me faudrait peut-être... Ah, il a disparu, le mec. Ah non, il est là, d'accord. C'est des fois, on sait jamais. Prendre l'objet, oui, ouais. Mais je voudrais le code. C'est quoi, le code? Je vais encore devoir se regarder sur Internet, ça continue. Donc, hop, ok, oui. J'ai peur de pas avoir le code. J'ai vraiment peur de pas avoir le code. Attends. Vas-y. Ah, non, y'a rien du tout ici. Bon, bon, on va y aller. Bon, tu sais quoi? Oh, franchement, on s'en bat les steaks, hein. Moi, je vous dis à tout de suite. We'll be right back.
Non? Pourquoi? T'es mort, putain! T'as vu dans ses yeux, là, ça brille et tout, genre elle pleure et tout. Mais n'approche pas, sinon je te viole. Vas-y, casse-toi, là, casse-toi, je te défonce, moi. Non mais c'est quoi, Stars, là? De quoi, Stars? De quoi, Stars? Rien du tout, tu meurs. Quoi? Pff, de toute façon, je m'en fous de ta vie. Ouais, c'est parti, on va activer tout ça, là. Il y a un frein manuel ici. Non, c'est vrai? Il vous faut une carte magnétique pour l'utiliser. Mm-hmm. Ah oui, d'accord, j'allais dire, mais je fais comment, alors? Je fais comment si ça fonctionne pas, là? Donc, du coup, utilisez-moi ça. Mm-hmm. J'espère qu'il fallait pas une deuxième carte, parce que sinon... Ok. Ah ouais, là, il y a un truc, je sais plus ce que c'était. Vous pouvez l'utiliser pour faire fonctionner le frein. Je crois qu'il faut arriver sur 36, mais en activant tout. Donc, attends, ce qu'on va faire, Hop là, un petit 9, un 9. Oh, la puissance! La puissance, les gars! J'ai activé le mécanisme de contrôle du frein, terminé. Bien reçu, j'actionne le frein. Nickel? Nickel. Alors, ah, là aussi, il faut une carte, c'est ça? Il faut quelque chose? Ouais. Ah ouais, d'accord, il faut aussi appuyer sur des trucs. Ah, mais du coup, là, on sait pas. Non, c'est dégueulasse. 60. 64. 66. 67. C'est bon? C'est bon! Ok, bon, ça va, en fait, c'est pas très compliqué. T'as plein de possibilités. Juste que, bah, là, c'est difficile parce que tu vois plus le numéro, donc... Faut compter dans ta tête. Ok, ouais, sinon c'est pas très compliqué. Donc finalement, tout à l'heure, c'était pas si exceptionnel que ça. Mais bon, malgré tout, j'ai quand même réussi du premier coup tout à l'heure. J'aurais pu très bien me louper. On sait jamais. Mais c'est vrai que c'est pas très compliqué finalement. Parce que bon, suffit que tu mettes le plus gros numéro. Puis après, tu finis avec le 1 et puis c'est fini quoi. Avec le 1 et le 2. Enfin bon. C'est tout à l'heure, c'est comme si j'avais réussi à faire un truc de ouf. Alors que pas du tout. Bon, en attendant, ça fait déjà une petite vingtaine de minutes qu'on est là. 25 minutes, on va dire. 25 minutes, donc... on va faire encore 2-3 trucs, et puis on s'arrêtera... On s'arrêtera dans pas très longtemps. Donc, là, on a déraillé du train, apparemment. Tu vois, je t'avais dit qu'il avait déraillé le train, là. Le premier épisode, je t'ai dit... Le train avait déraillé. Bah voilà, ouais, j'avais raison. Moi, j'ai lu dans l'avenir, moi. Bon... Alors, bah oui, ça va. Nous avons réussi à arrêter le train. Ah, ça va, j'ai bien vu, hein. Oui, nous avons réussi. Il faut trouver un moyen de... Ça se trouve, c'est même pas eux qui ont réussi. Hein. Ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre qui a arrêté le train et tout. Là, on a un bon petit fusil par terre. Ça, c'est tout ce qu'il y avait dans le train, non? Ouais, non, ça devait pas être tout ce qu'il y avait. Quoique. Bon, peut-être pas tout, mais quand même une bonne partie, hein. Bon, c'est parti, on se casse de là. Je sais pas ce qu'on doit faire ici. Ouais, vas-y, on se barre, là. Vas-y, on se barre, là. Oh, tu sais, elle va vers les zombies, tu sais. Pas de soucis. Allez, vas-y, bouffez-moi. Hop, ah, c'est gratuit. Bon. Oula. On est où, là? On est où? Ok. Intéressant. Je me demande ce qu'on va faire. Ouais, je vais monter à l'échelle, ouais. J'espère que... C'est pas trop compliqué... Ok, déjà on a une petite vidéo. The Umbrella Research Center. First general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male? I'm unfamiliar with... Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Please,
Marcus? 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? D'accord. Ok, ok. Bon, bah pourquoi pas. Donc, et bah, du coup, je sais pas quoi faire. Je sais pas ce qu'on va faire. On va essayer d'aller là déjà. On va fouiller un petit peu de partout et puis on verra bien ce qu'il y a à faire. Voilà, tranquillou, tranquillou. Bon, alors. Là, il y a quelque chose ou pas? Non, il y a rien du tout. Là, il y a rien du tout. Ok. Donc, là, j'ai cette gorge là qui me gêne un petit peu là. Ah, c'est vraiment embêtant. C'est. Ouh, un bruit de fou. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a ici? Des toilettes. Eh ben, disons que c'est le kiff, ça, dis donc. Des toilettes, youpi, ouais. Franchement, c'est trop bien, quoi. Il y a quoi, là, par terre? Hein, une plante rouge. Ouais, franchement, on a autre chose à foutre, là. Hein, non, mais bon, ouais, voilà, quoi. Non, là, c'est du papier toilette, ok. Là, il y a encore un jerrycan. Tu sais, il y a un jerrycan partout, je me demande à quoi ça sert. Prendre le bidon d'essence, ouais, vas-y, hein. On verra bien ce que... On verra bien ce que ça donnera à la fin. Enfin, dès qu'il y en aura besoin. Ouh, hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Calme-toi. J'ai dit calme-toi. Et oh, tu veux te calmer? Attends, je recharge, je recharge. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? D'accord, ok. Allô, t'as commencé à avoir mal l'autre, hein. Ouais, elle commence vraiment à avoir mal. Elle commence sévèrement à avoir mal, donc on va utiliser... Ah, mais ça l'utilise peut-être pas pour nous deux. Ah, ça l'utilise pas pour nous deux, quoi, je crois, hein. Bon, c'est pas, on va échanger et on va utiliser pour elle. Hop. C'est bon? Ouais, ça n'utilise pas pour nous deux. C'est dégueulasse, ça, franchement. Moi, je trouve ça vraiment abusé, quoi. Ah non, mais je me plains. Ouais, c'est parti, on y va. I'm
Et on va essayer d'allumer avec ça. Pourquoi je peux pas? Le briquet a l'air vide. Ah, mais c'est pour ça que je peux pas alors, donc il faut que je le remplisse. Est-ce que je peux le remplir avec, avec ça? Ah, tu sais, on sait jamais, des fois, tu sais. Des fois, on sait jamais. Non, malheureusement, non. Bon, c'est pas très grave. Donc, il faut trouver du gaz à briquet. Faut trouver du gaz à briquet, mais comment tu veux trouver ça? Ouais, il n'y a rien d'intéressant, tout ça. Il n'y a pas un truc, là? Ah ouais, si. Oh, bah, nickel. Ah, mais on n'a rien, tout le personnel, ce document semble très vieux et quasiment illisible. Les équipes travaillent sur les vaccins, agents infectieux se réunissent régulièrement, classé le code d'accès est... Waouh. Oh, vous savez quoi? Dès qu'on est sur la carte, eh ben, on peut mettre liste d'objets en appuyant sur A, et là, boum, t'as la liste d'objets de... qu'il y a dans, dans bah, l'endroit où t'es et tout. Ouais, franchement, pas mal, hein. Donc voilà, on y est, on va utiliser la petite manivelle, chut, hop là, et on va tourner tout ça. Donc bah enfin, on peut monter Rebecca en haut, hop là, et on va pouvoir continuer. Donc on va speeder un petit peu, on va pas non plus rester trop longtemps, sinon bah après c'est trop long, et c'est pas forcément très bon quand c'est trop long. Donc, oula, que ce soit pour moi ou pour vous, c'est pas forcément très bon. Alors du coup, toi, tu vas pas commencer à me saouler, voilà, merci. Donc, fusil à pompe, allez, on prend, et s'il faut, on mettra par terre, s'il faut, tu en laisseras tomber. Donc, je pense qu'il n'y a rien derrière. Tu veux te calmer, le cafard, là? Parce que c'est un... Non, calme-toi. C'est bon? Nickel. On va prendre les balles de pistolet, normal, la base. Bah ouais, la base du pistolet, hein, c'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce qu'on va... Attends, on va voir deux secondes. Ok, ouais, non, c'est bon, pas besoin de faire quoi que ce soit. Est-ce que là, il y a une porte, ok, là, il y a quoi? Ah, on peut pas y aller, d'accord. Donc, on va aller voir à la porte ce qu'il y a, et puis, en espérant que ça soit bien. En espérant que ce soit bien, qu'est-ce qu'il y a? Non, ok, d'accord. Je vois. Ouh, calme-toi, donc ça, ok, d'accord. Ouais, il y a des plantes. Et déjà, vous calmez, merci. Ouais, y a rien d'autre, quoi. Calmez-vous. Allez, tu sais, je sens bien. Je sens qu'ils veulent me défoncer. Ah, je le sens bien, tu sais. Ils crient comme ça et tout, ils veulent me défoncer. Donc, sinon, il y a quoi ici? Ah, d'accord. Et là, c'est quoi ça? La machine a été terminée d'enrouler la chaîne. D'accord, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout, là? Donc, la machine a terminé d'enrouler la chaîne. Mais à quoi ça nous sert, je sais pas. Ah, c'est quoi ça? C'est pas la même porte que l'autre, là? Est-ce qu'on peut l'ouvrir, là? Les épées chevaliers interdisent tout accès. Mais tu les enlèves, les épées! Je sais pas, tu sais. Oh là, mais ils sont vraiment flemmards dans le jeu, hein. Bon, alors. Non, on peut pas y aller, ouais. Y a rien du tout, quoi. Ouais, y a rien du tout. On est d'accord. Là, on peut peut-être y aller, là. On va voir ce qu'il y a. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y a en dessous, là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, on peut peut-être couper ça. Grosse machine, mais vous ne voyez pas à quoi elle peut servir. Mais si, moi je sais, à couper le gaz. Non? On peut pas couper le gaz? C'est le gaz là qu'on avait vu tout à l'heure.
Il y a une sorte de grosse machine. Non, mais bon, on peut pas l'activer. Elle est trop lourde pour être soulevée. D'accord. Bon, bah il faut pouvoir la remonter, mais bon. Tu veux faire comment? Tu veux faire comment? La machine là est cassée, donc je sais pas du tout comment on pourrait faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en bas. Voilà, hop. Alors, hop, allez, descend. Donc ce qu'on va faire, on va prendre, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Bah attends, déjà on va commencer par ouvrir la porte. Parce que sinon, voilà. Hop, la porte est déverrouillée, voilà. Donc, maintenant on va prendre lui. Et donc moi je vous dis à tout de suite. Et voilà, on est arrivé à notre petit lieu avec Rebecca, voilà. Okay. Nickel. Donc on va rentrer là-bas dedans. Parce que là, je me rappelle de cet endroit. Je me rappelle qu'il fallait lui, je crois. Je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'il y avait un truc lourd ou je sais pas quoi. Enfin bon, une connerie comme ça. Allez, vas-y, tue-moi ça vite. Qu'est-ce qu'il y a sur le côté là? C'est un lance-grenade? Putain, attends, il y a un lance-grenade sur le côté, Il y a un lance-grenade sur le côté! Il y a un lance-grenade! Vas-y, tu sais quoi, tu... Attends, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, ok. Donc, ce que je vais faire... Tu sais quoi, je pense que je vais jeter cette merde, là. Mais bon, le problème, c'est qu'après, il n'y a plus de place de rien, là. Plus de place de rien du tout. Ah, tiens, attends, quoi que si, attends. On va échanger ça. Mais non, mais change tout, quoi. Donc, hop, voilà. Nickel. Et on va combiner. Voilà, on combine. Après, on va prendre... après, on fera tomber... Regarde, bah, on va faire ça. Hop. On va laisser tomber. Voilà. Et puis, on va prendre... on va rien prendre. Juste que on va échanger. Et lui, il va laisser tomber ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de laisser tomber le pistolet. Bon, ouais, tu sais quoi, on s'en bat les steaks. Hop, et là, on va prendre le lance-grenade, les gars, le lance-grenade. Ah, c'est bon, ça, regardez-moi ça, le lance-grenade et tout. Je pense qu'on va pas tarder. Oh, la bougie. Ah non, mince. J'ai cru que c'était une bougie, je me suis dit, yes, la bougie. Mais pas du tout, hein, voilà. Prends. Ah non, tu peux pas prendre. Voilà, nickel, prends-moi ça. Nickel. Donc, on va sauvegarder, je pense. Donc, la porte est ornée d'un symbole d'eau. D'accord, ok. Là. Vous pouvez prendre ça? Ouais, ok, d'accord, nickel. Toi, ce que tu vas faire, tu vas prendre ça. Voilà. Hop. Mais non, pas ça, on s'en fout du tableau. Franchement, t'as vraiment cru que j'allais te faire regarder un tableau, on s'en fout. Donc, ça c'est fait. Ah, là, il y a le pistolet par terre. Il y a l'encre pour enregistrer, pour sauvegarder. Ah, une horloge. Ah mince, Il faudrait la faire fonctionner. Ouais, mais je la fais fonctionner comment, moi? Bon, j'ai activé la manivelle, tout ça, et en fait, ça a soulevé la cage, et donc, normalement, on prend l'objet qu'il y a dedans, et finalement, il y a une petite surprise avec, apparemment. Apparemment, il y a une surprise avec, une grosse surprise, apparemment, donc va falloir se tenir à carreau et... Enfin, il va falloir se tenir prêt et vraiment tout défoncer. Donc, alors, vous ne pouvez pas transporter cet objet. Ah, mince. Oh, c'est con, ça. Y a quoi que je pourrais... Mais non, c'est pas ça que je veux faire, moi. Vas-y, reviens. Y a quoi que je pourrais poser. Bon, bah, à la limite, hein. Qu'est-ce que je te dis? Bon, ça me sert à rien, ça. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser ça. Hop. Quoi? Mais si. Attends, mais attends, il commence pas à me saouler, là, avec ton délire. Voilà, hop. On va laisser ça. Voilà. Quoi? Je fais comment, moi? Je le sens? Mais non! Vas-y, mais c'est sérieux, là? Je fais ce que je veux, si j'ai envie d'y laisser là, je le laisse là. Tu te fous de moi? C'est pas possible. Eh, mais c'est un truc de fou, hein. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Je laisse là, c'est tout, quoi. C'est bon, je vais laisser là, t'es content? Voilà, allez, on laisse là. Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'aura plus accès en bas, ça. Ça veut dire qu'on n'aura plus accès en bas, on n'aura plus accès. C'est tout ce que ça veut dire. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. Sinon, ça serait complètement bête. Prends, récupère. Merci, voilà. donc, c'est quoi? Ah oui, c'est une clé, c'est vrai. Clé du centre, d'accord. Donc, on va la prendre, oui. Et là, normalement, on devrait avoir une petite surprise. Ah là, voilà. C'est la fameuse surprise. Donc, ça va être compliqué.
Donc heureusement que je me suis préparé, hein, parce que sinon j'aurais été un petit peu surpris et j'aurais pas forcément eu ce qu'il fallait. Donc, viens ici toi. Qu'est-ce que tu veux là, hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, je trouve que je suis encore du tir et dessus, tout, mais j'en ai rien à foutre. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Viens, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Qu'est-ce que tu fais? Non, il est déjà mort? Ah, mais ouais, c'est vrai qu'on est en facile, forcément. C'est... Ah, je m'attendais à pire, moi. Mais bon, c'est vrai qu'il est en facile, le jeu, donc forcément, c'est pas très compliqué. Are you all right? Yes, thank you. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là, quand même. C'est quoi qu'il y a par terre? Ah oui, c'est le truc, là. C'est, bah, c'est quoi? Attends, c'est où? C'est là? Ouais, d'accord. Ouais, microfilm, merci. Bon. Et bah voilà, nickel. Donc, et parce qu'on a... Oh, pourquoi elle a plus d'armes? D'accord, ok. J'ai eu peur, j'ai dit non, attends. Elle a pas fait tomber son arme, j'en sais rien, tu sais, t'imagines, elle l'aurait perdue et tout. Ce que je vais faire, déjà, bah, c'est que... Ce que je vais faire, c'est que je vais te... Si tu pouvais ne pas l'équiper, voilà, nickel. Ça, c'est bon, non, parce que j'ai pas envie qu'il soit équipé avec le fusil à pompe. T'imagines, s'il commence à tirer de partout, là. Wow, calme-toi, hein. Donc, en attendant, on a tué la grosse bête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder et puis on va s'arrêter là. Donc, on continuera la prochaine fois. Petit à petit, on y arrive. On avance, on s'éclate. Il y a quoi, là? Les épées chevaliers interdisent tout accès. D'accord. En plus, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Ça fait combien de temps? Ça fait... 1h10 pour moi, 1h10, 20. Pour vous, ça doit faire, je sais pas, 40, 50 minutes, quoi. Ouais, je pense 50 minutes, je pense. Donc, ah, c'est quoi ça? Non, non, je pensais que, tu sais, un gros appareil photo, je pensais, tu sais, ça faisait bizarre, ça faisait un gros cadre et tout, mais c'est pas du tout ça. Tu sais, je croyais vite fait, tu sais, les anciens appareils photo, là, avec où tu mets ta tête dedans et puis tu dois attendre, je sais pas combien de temps... que ça, tu sais, enfin l'autre il met sa tête là pour regarder, il attend je sais pas combien de temps et tout que ça prenne la photo, les anciens appareils photo. Bon, en attendant, moi je pense que je vais faire une coupure, on va se voir devant la sauvegarde, comme ça on terminera bien et puis voilà. Donc moi je vous dis à tout de suite, c'est parti. Voilà, donc on a terminé, on a fait quand même un petit épisode là assez sympathique, on a fait pas mal de choses. Donc du coup on a du fusil à pompe, du lance-grenade, des munitions de fusil à pompe, un petit microfilm que je sais pas du tout à quoi il sert. Après, on a le pistolet, les balles de pistolet, de la vie, des jerrycans que je sais pas du tout à quoi ça sert. Après, on a aussi une clé rouge, et on a du ruban encreur pour pouvoir sauvegarder. Donc du coup, on va sauvegarder et puis on va se quitter là. La prochaine fois, on continuera. Donc, les machines à écrire, machin, enregistrer les données, ouais, je veux bien. Hop. Voilà, chargement du contenu en cours, ne pas éteindre le PC. Ne pas éteindre le PC, ça paraît normal. Donc, alors, on envoie les données sur la sauvegarde, et puis au moins, on aura une sûreté au niveau des données. Voilà. Bon, je dis n'importe quoi, c'est parce que je sais plus quoi dire. Donc du coup, voilà. La prochaine fois, apparemment, avec la clé rouge, on ouvrait... Enfin, vous avez vu, on a vu une porte bleue qui était la porte de l'eau, je sais pas quoi, tu sais, avec un symbole d'eau, je sais plus quoi, enfin, ce que c'était, en fait, c'était l'eau, quoi. Et ben, il y a aussi une porte rouge qui est le feu. Et ben, apparemment, cette clé rouge va ouvrir cette porte, et donc, du coup, on verra ça la prochaine fois. En attendant, moi, je vais vous laisser sur ce... Et puis, je vais vous dire à une prochaine vidéo. Hein, voilà, donc moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.